Elles sont descendues dans la rue un peu partout dans le monde. Notez qu'à certains endroits, c'est au péril de leur vie. Nous sommes le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bien que beaucoup de chemin a été parcouru, il y en a encore à faire, vous allez voir. Et c'est pour rappeler que l'équité, là, n'est toujours pas acquise ici dans certains secteurs, même au Québec, Louis-Philippe, qu'elles ont manifesté aujourd'hui sur la colline parlementaire. Oui, plusieurs thèmes ont été abordés, comme le droit à l'avortement ou encore le droit des femmes en Afghanistan et en Iran. Donc, la marche qui était organisée par le regroupement des groupes de femmes de la région de la capitale nationale avait pour thème « résistance féministe ». Elle a attiré quelques centaines de personnes. Elle a débuté sous les coups de midi devant le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste et s'est poursuivie jusqu'à la place d'Yeovil, où plusieurs discours ont été entendus, entre autres de femmes autochtones, de femmes impliquées dans les groupes pour femmes en situation d'handicap, ainsi qu'une femme iranienne. On peut en écouter deux d'entre elles précédées d'une militante. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a comme un retour du balancier, que j'ai l'impression que les droits des femmes reculent. Tellement de travail à faire en tant que femme autochtone. Je pense que de connaître justement ce qu'on parlait de notre histoire. Une femme en situation de violence conjugale qui doit quitter son loyer pour sa sécurité a souvent de la misère à le faire parce qu'elle n'a pas la possibilité d'avoir un transport adapté pour ça. Bon, il y a aussi les grandes centrales syndicales du Québec qui tenaient une action symbolique. C'était, dans ce cas, devant les bureaux du Conseil du Trésor. Oui, voilà, on a voulu marquer le coup et rappeler que la grande majorité des employés de la fonction publique, eh bien, ce sont des femmes, alors que les négociations sont toujours en cours sur les conditions salariales. On peut écouter une représentante syndicale. En fait, on représente 80 % des femmes. Donc, la négociation nationale, c'est aussi une lutte féministe. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en profite. Une meilleure journée, 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, pour venir marquer le pas en appui à l'équipe de négociation qui siégera aujourd'hui, qui amorcera cette négociation-là, pour dire c'est une lutte féministe, il ne faut pas baisser les bras. Et en terminant, Bruno, l'Institut de la statistique du Québec qui a voulu dévoiler certains chiffres entre la rémunération, l'horaire moyenne entre les femmes et les hommes, il y a toujours un écart. Les femmes gagnent en moyenne par heure 29,29 $ en 2022, alors que les hommes, 32 $ et 54. Bon, on est encore loin de l'équité. Merci, Louis-Philippe.